Hello mes poulets! Alors aujourd'hui on se retrouve enfin, j'espère que vous ne m'avez pas attendu pour danser, mais pour danser ensemble. Parce qu'on est enfermé à l'intérieur et on ne peut pas se voir et on ne peut pas bouger. Et il va les remédier à ça très vite. Donc on va apprendre une chorégraphie sur une chanson plutôt happy qui bouge. Parce que je pense qu'on aime mieux ça tout de suite qu'une chanson violente ou triste. Donc, on va apprendre bloc par bloc, tranquillement. Vous, autant de fois que vous voulez, vous mettez sur pause, vous me remontez jusqu'au bloc d'avant. Et on va apprendre ça tranquille ensemble. Et à la fin, on collera tout, bout à bout. Moi, je vais peut-être aller un peu vite. Mais vous, comme c'est une vidéo et que c'est pas la vraie vie, vous me remontez en avant. Vous revoyez les bouts que vous n'avez pas compris. Et vous faites au pas à pas avec moi. Donc, le titre de la chanson, c'est Peace of Mind, je vais vous l'écrire, de Sean Kingston. Donc, moi, je ne vais pas la mettre trop pour pas qu'on se fasse striker par YouTube. Mais vous pouvez la trouver partout sur YouTube, sur Spotify. Vous la mettez à fond et vous dansez. Donc, on va tout de suite commencer par apprendre l'introduction. L'introduction, ça va être facile. Ça va être quatre pauses. Vous allez entendre au début. Ça va commencer. Il va y avoir quatre notes. Toum, toum. Et on fait une pause sur chaque. Donc au début, vous choisissez une position un peu hasard, mais la tête baissée, car c'est le retour des danseurs à la danse. Et au premier toum, on va monter la tête. Au deuxième, vous allez regarder à votre droite. Ensuite, sur le troisième, vous allez regarder à votre gauche. Et sur le quatrième, debout, prêt à danser. Voilà, donc facile pour le début. On est là et ça fait 1, 2, 3, 4, prêt à danser. Ensuite, on va tout de suite passer au refrain qui va revenir trois fois, je pense, ou quatre dans toute la danse. Donc celui-là, c'est celui que vous allez rabâcher, rabâcher, rabâcher. Et vous allez voir, j'ai quand même mis des mouvements que vous connaissez pas mal. Donc, au début, vous allez vous mettre de côté comme ça et on va avancer 1, 2, 3, 4. Ou ferme en avançant. Bras et bras. Ensuite, vous allez me faire ouvre, ferme avec les genoux, ouvre, ferme, les mains dans le dos. Et ensuite, mou l'un vers un côté, mou l'un vers l'autre côté. Et on va faire la même chose en reculant, en se tournant vers l'autre côté. Ouvre, ferme, bras et bras. Ensuite, genoux, tac, les mains dans le dos, genoux et moulin, moulin. Hop, on continue, c'est toujours dans le refrain. Ça, c'est des mouvements que vous connaissez. On va aller avaler la vague, 2, 3, 4 et remonter, 5, 6, en rentrant les genoux, 7, 8, slide. Slide comme si tu tenais un drapeau. Attrape, ferme, tac, tac, l'autre côté. Aval, ta, 3, 4, monte, 5, 6, 7, 8. Slide, tac, slide. Et pam, 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 pam. Ça, c'était le refrain. Donc, on peut l'essayer tout de suite ensemble, refrain, juste avec la musique, avec l'introduction. Alors, mettez-vous en petit bonhomme par terre, le regard vers le sol. Si ça veut commencer. Et on est parti, refrain. 1, 3, prends. Maintenant, on passe à la partie 1, donc le premier bloc de chanteurs autre que le refrain. Donc, premier couplet,
Vous allez vous mettre de profil, vous venez finir celui-là, attrape, attrape. On va faire claque des doigts. En même temps que tu claques des doigts, tu montes ton genou et tu plies ta jambe d'appui. Donc ça fait claque. Et quand tu reviens tout droit sur la pointe des pieds, tu donnes un coup d'épaule vers l'avant. Donc ça fait 1, tac, boum, tac, boum. Ensuite, on fait avec tes bras, tu vas faire croise, ouvre et tu recules. Pam, 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 les jambes pliées. Et là, on fait un 8 avec les bras pour faire demi-tour et faire l'autre côté. Claque, épaule, croise, ouvre, rond, arrive. Ensuite, on est toujours dans le bloc 1. On va taper des mains 1 et 2 et 3 et 4 en partant du bas vers le haut. Pa, 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 pa. Là, on sort le ventre et on va avancer. Pam, 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 pam. Vraiment, en sortant le ventre. Ensuite, on va faire un reverse. Ta, 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 ta. Et on va reculer. Tac, tac, tac. Demi-tour de l'autre côté. Avance, 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 avance. Ouh, ça fait du bien au dos. Recule, recule, recule. Tourne. Et on est prêt pour le refrain pour la deuxième fois. Donc cette partie-là, attention, on va la faire ensemble avec la musique. Donc en place, on est en train de faire celui-là pour la deuxième fois. Bam, bam. Et là, c'est notre partie qu'on vient d'apprendre. Clap, épaule. Clap. Donc là, on serait rendu au bloc 2. On aurait fait intro, refrain, bloc 1, refrain. Et là, on serait rendu, après le refrain, à notre bloc 2. Donc, notre bloc 2, il va commencer. Marche, tu poses ton talon. Et là, tu vas faire une rotation en ouvrant les genoux vers l'extérieur. Et tu vas regarder côté. Tu vas refermer tête et jambes. Marcher. Pam, ouvre, tac, tac. Ensuite, on va passer sur... qui croise, ouvre, et si tu vas faire marche, marche, marche trois fois, ferme. La même chose en commençant de l'autre côté. Qui croise, ouvre, et ici, appuie, 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 ferme pour refaire la même chose que le premier mouvement. Pose, tac, ferme, pam, 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 pam. Quand cette petite combinaison est passée, pour compléter notre bloc 2, on va faire pirouette, arrive les mains en l'air, wave, 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 baisse les bras, ouvre la poitrine, ferme, ouvre, tourne, ouvre, ferme, ouvre, tourne. Deuxième fois, pirouette, hop, wave, 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 et on y va pour tac, tac, tourner, pam, pam. Tourner. Et on serait prêt pour notre prochain refrain. Donc on va faire ça avec la musique. Si vous avez besoin de recommencer en décomposer, vous pouvez. Ok, on passe la musique. Non, mais ça parle. Bam, bam, et ta, ouf, et ferme. Bam, ouf, ta, ferme. Qui croise, ouf, boum. Et bam. Là, on recommencerait le refrain encore.
Alors, après avoir fait ce fameux bloc 2, on refait le refrain une autre fois. Et après, il ne nous reste plus que le bloc 3 à apprendre. Il y aura le refrain une dernière fois et la chorégraphie sera complétée. Donc, voici les mouvements pour le dernier bloc, le bloc 3. C'est plus rythmique encore. Donc là, vous allez sauter pieds joints, tape arrive, les jambes bien pliées, rond de buste. Et ensuite, vous allez me faire 5, 6, 7, 8. Je tape mon talon en même temps que je tape ma main. Donc ça nous fait et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À la suite de ça, on va faire genou, pam, genou avec un rond de bras pour passer le côté. Genou, tac, genou, reviens au milieu pour faire une deuxième fois cette combinaison. Pam, pam, rond, tap, 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 genou. Rond, ouvre pour changer de côté. Genou, pam, pam. Ensuite, là on passe sur un moment ralenti. La musique elle va pas être ralentie, mais nous on ralentit. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, on se penche. Après par la tête. 5, 6, 7, 8. Après ma main qui est vers le milieu. 1, 2, 3, vague. Et là, ramène 5, 6, 7, l'autre côté. 1, 2, 3, 4, par la tête. 6, 7, 8, wave. 2, 3, 4, ramène. 7, 8. Et là, on repartirait pour une dernière fois le refrain. Donc, cette partie, on a 1, 2, 3, 4, tap, 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 genou, genou, tourne, genou, genou, tourne une deuxième fois, pam, 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 tap, 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 genou, demi-tour, genou, demi-tour et ralenti, par la tête, tac, 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 wave, hop, ramène au milieu, ralenti, tourne, 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 par la tête, na, na, wave, et ramène, tac, tac, tac. Et on aurait une dernière fois le refrain. On va faire ce bout là, juste, je sais pas vous, mais moi je transpire, juste avec la musique. Et après on va faire du début à la fin avec la musique. 3, 4. Donc mes petits Whist City, je vous laisse prendre une gorgée d'eau. Moi personnellement je vais prendre une gorgée d'eau. Et après on va s'enchaîner ça du début à la fin. Donc je sais c'est vite, prenez votre temps. Si aujourd'hui vous la faites pas avec moi au complet, c'est pas la mort. Vous pouvez apprendre un bloc par jour. Recommencer, recommencer, recommencer. Pour pas que la vidéo soit trop longue, moi j'ai pas repris comme si je vous donnais un vrai cours. Sinon vous allez vous endormir. Mais prenez votre temps, tout le monde est capable de tout faire, juste faites-le lentement et au fur et à mesure, accélérez-le. Ok, so je vous laisse vous mettre en place en petit bonhomme, la tête vers le bas, pour qu'on fasse la chorégraphie du début jusqu'à la fin. Même si je vais être moi-même très concentrée, probablement essoufflée, je vais essayer de vous dire quand c'est le refrain qui s'en vient ou quand c'est un bloc. Je vais vous dire bloc 1, bloc 2, bloc 3. Mais sûrement pas beaucoup plus, parce que moi aussi je viens juste de l'apprendre cette choré. Je viens juste de l'inventer, je viens juste de l'apprendre pour vous mes petits amis. Donc, petit bonhomme, tête vers le bas, et on est parti, on est prêt. Refrain, c'est parti.
ça tourne et qui croit tout. Pause, pause, pause. Inventer votre propre petite impro avec une position finale. Et voilà, ça fait 4 minutes qu'on transpire, qu'on bouge au son de musique endiablée. Donc j'espère que ça vous a plu. Si oui, je veux que vous filmiez puis que vous me l'envoyez sur Instagram, sur Messenger. Je veux vous voir danser. Vous me manquez, mes petits bébés. J'espère qu'on va pouvoir bientôt danser, qu'on va pouvoir faire notre spectacle. Je fais des gros bisous.